Milonga, qu'est-ce que c'est? En fait, ça désigne plusieurs choses. Donc, ça vient d'Argentine. Et la Milonga, c'est l'endroit où les gens se retrouvent pour danser, pour une soirée particulière ou un bal. C'est un peu comme la guinguette chez nous, en France. Enfin, là, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, évidemment. Mais la Milonga, c'est aussi le nom de la danse que l'on danse dans ces soirées dansantes. Et donc, la danse a donné son nom au lieu. Et puis, avec la danse, il faut de la musique. Bah, la Milonga, c'est aussi un genre musical. Ah non, mais tout ça, c'est... Tu vois, quoi? Les danses argentines s'inspirent beaucoup les unes des autres. Donc, la Milonga et le tango ont une histoire commune, et leur style évolue ensemble. C'est pour ça qu'un compositeur comme Piazzolla se distingue aussi bien dans l'une que dans l'autre. Ici, on va entendre deux pièces écrites pour un duo de guitares. Ce qui me plaît dans cette forme, c'est que les instruments s'entremêlent pour finalement n'en former plus qu'un. On n'est plus tout à fait sûr de qui joue quoi, et les sons se mélangent parfaitement. Chacun peut prendre la parole ou tenir le rôle d'accompagnateur, selon les moments. La première Milonga a un côté balançant très agréable. On se laisse porter par la musique. Tout est construit autour de ce rythme qui, avec ses appuis irréguliers, donne le côté dansant. Dans la seconde Milonga, on distingue bien les passages où les guitares sont entremêlées. Par exemple, dans l'introduction. Et les moments où l'un des musiciens joue le thème principal pendant que l'autre l'accompagne. Ce que j'aime bien en observant les artistes en scène, c'est essayer de repérer qui joue la mélodie et qui l'accompagne. T'essayes ?